Faut pas m'expliquer nous aimons un petit genre et gain problème là, ça qui passe même. Et so même son victime qui t'a vu Saint-Domingue et puis pendant m'a prend la rue m'balache un bagage et puis me croise avec la police là. Et puis nèg yo dit me blesse by document et puis les bagages identifiés nèg yo dit haïtien illégal va prêter dans terre au premier fait 4 jours prison sans manger sans boire dans fatra. Yo me dormi et puis pendant m'a sorti gon voit qui bon mon calotte danger. On va voir ça. OK. Ouais. Et dans qui zone ça passé là? Zone ça passé Santiago. OK, il bon calotte dans danger. Malgo ou t'es faire rebelle avec yo? Non, on pas faire rebelle, non c'est pendant mandé dedans. Les garder dans 3 jours pas mettre nous dehors et puis nous groupe on groupe nèg cap faire pour sortir. Et je suis en train de dedans et puis c'est moi qui viens de venir pas et puis c'est moi qui baille calotte. OK, on a mis c'est bon calotte. Oui. Et pour être là, ça passe dans pour être là même. Pour être là même c'est bon dans sous frontière là, m'a gagné moi pour m'aller caï moi. M'a fait tirer on là et puis on partenaire dit si m'pas nèg wana mettre dans baille zone non et puis il vide bois sous moi. Monsieur vide coussou? Oui. Oh, à qui ça monsieur fait ça là même? À gon bois. Bon, à gon bois, il va tomber beaucoup de bois. Oui. Pas de chef là même? On devine du chef yo ça dedans là, pas gon chef qui fait me carré. Yo pas faire un pour. Alors monsieur dit est-ce qu'on parle de zone là c'est bay zone là oui, sinon tout le monde qui va à mon zone là bay zone là. Waouh. Sans pas faire rien. Sans pas faire rien quand même décamper. OK. Et dans qui zone nous sortir Haïti même? Au cap nous sortir là-bas. Depuis qu'il est au départ là. Depuis mercredi. Depuis mercredi on va jamais aller. Non. Pour qui ça va aller? Pas gain moi pour m'aller, pas gain cop. OK, OK. OK. Et combien qu'on va besoin pour aller là? Bon, si je suis à 1000 gouttes, je vais aller parce que c'est à 500 gouttes. Je vais là-bas dans la station gymnasium. Il faut d'abord l'autre pour monter là-bas. Alors, si je suis 1000 gouttes là, je vais aller. Oui. Je vais faire 1000 pesos pour aller. Oui, c'est bon. D'accord? Oui. Eh bien, OK. Et avant tout, qui activité tu as fait ce domaine? Construction de travail. Même c'est terminateur de travail. OK, mais pendant le départ, tu n'as pas pensé tourner, non? Non. Et qui sont comptés faire Haïti même? Bon, si j'ai une profession, depuis que je travaille, je demande de travail, je vais acheter des outils, mais dès que je travaille, je travaille. Combien de temps tu as fait l'autre bois là? 2 ans, je fais. 2 ans. Dans 2 ans, qui sont réussi l'autre bois même? Ah, il y a seulement profession, je suis avec vous. Pas madame ou pas de petite? Non. Ok. Vous dites que vous avez travaillé dans le pays ou vous ne pouvez pas aller l'autre bois? Mais ça fait que j'ai envie d'aller parce que moi, il y a un petit gens difficile à Haïti, je vais apprendre le métier, c'est un domaine qui est facile. Ah, c'est l'autre bois à apprendre? Oui. Maintenant, 2 ans, ça n'a pas fait façon pour légal même. Non. Ou tu es entré illégal? Illégal. Dans 2 ans, parce que tu as fait façon pour légal quand même. Parce que si je travaille l'autre bord, ou fait 6 mois, tu as fait façon quand même légaliser tout. Oui, c'est vrai. Même si ce n'est pas moi un visa. Bon, comme je ne peux pas tourner encore là, parce que si je tourne, je conseille de faire façon pour légal quand même. Oui. Parce que dans le moment là, Saint-Domingue, c'est un pays qui est fragile lié la voie haïtien. Vous comprenez? Ok, ok. Ok, bon, une explication de comment vous faites des portes vous-même. Bon, c'est un travail, je d'abord allé, et puis je suis deux motos, les garçons, quand je suis et puis ils ont arrêté, ils ont été non poisson, et puis ils ont fait 4 jours en l'air, et puis je dis à mes deux frontières, et puis je suis allé à la même. Je dis au Kadia, quand côté les Miagouan, dans NIP, dans le département NIP, et puis je fais 4 jours dans la frontière, et puis je dis à mes deux frontières là. Je suis venu dans bureau d'immigration pour être capable de m'aider pour moi. Ok, combien de temps tu as l'autre bois même? Bon, moi j'ai combien comme 2 ans l'autre bois. 2 ans, dans qui ville tu es? Dans Santiago. Ah ok, c'est Santiago au pont, c'est Santiago même il faut faire 4 jours? Non, je prends Santiago, je fais 2 jours plus haut, après jeudi, je vais l'ensemble avec et puis je mets sous frontière là. Ok, ok. Ok, pendant que vous venez là, dans le bureau qui est là, qui bureau qui boit assistance là même? Qui institution? Immigration, côté yo recevoir moun ki OIM. OIM. OK. OIM. Qui assistance yo ba ou? Bon, en tous les cas, yo bon manger et puis yo mette mchi dans la, m pa konnen, lèm fin expliquer comment qui côté m'a parlé dans distance côté m'a parlé comment capable aider. OK. Et konnen la, est-ce ou gen moyen pour tourner la caillou? Bon, moi pa gen moyen, so écoute ça là, nous venir là pour capable connait comment capable aider. Mais est-ce que ou dou ki en dedans là dans bureau OIM là, y a faut jeune cob machine pour tourner la caillou? Bon, moi pa konnen, yo poko di m si m'a jeune cob machine, en tous les cas, bon manger, bon mettre de l'eau. Bon, ils ont très bien accueilli parce que ils ont mis chita et ils ont dit font titan, bah connais qui ça va. Alors ce matin là au dépôt là? Ce matin ils ont mis sous douane là. Ok. Et qu'on est là pendant au dépôt là, à qui sentiment on recevoir ça même? Bon, pour moi, je trouve ça son bar qui vraiment exagéré parce que pour comme nous pas un pays parce que dominicain parce que l'immigration prend monde comment il a maltraité, il a fait pas quelque chose, c'est pas octavé ça, mais malheureusement nous pas un pays, nous pas un dirigeant. Juste qui pour mener le pays à un côté, bon, si je suis obligé à passer misère dans tout trajet, ça a tout lié, ça n'a pas de problème, ok?
Alors, l'autre a premier rentré l'autre bord, t'entré illégal. Oui, je t'entré illégal. Dans deux ans, soit fait l'autre bord, je me légalise tête. Non, je ne pas légalisé. Je n'ai pas passeport, mais je n'ai pas. Ou je mets visa. Je n'ai pas visa parce que visa est très cher là et puis et ça fait ma gagne. Mais est-ce que vous avez déporté déjà ou bien c'est la première fois? Non, j'ai déporté moi deux fois déjà et puis je suis allé là quand même et puis après ça, comme j'ai des amis, mes familles, mes. Vous tournez encore? Je tourne encore. Et qu'on y a là, pendant que vous déportez, sur la troisième fois, vous déportez, est-ce que vous tournez encore? Bon, je n'ai pas fini de détourner, mais comme j'ai plusieurs choses, je suis à côté de mon territoire, ça est capable de permettre de tourner, mais je vais aller à la caille avant. Oui, la caille avant. Et tout le monde peut tourner là, c'est illégal de tourner encore? Bon, je voulais mettre un visa sur le passeport, mais malheureusement, pour qu'on ait un travail, pour qu'on ait un moyen, je mettre un visa sur le passeport. Ok, pendant deux ans, ça vous fait l'autre bord, est-ce que vous travaillez? Bon, oui, je travaille, mais c'est pas, malgré que ce n'est pas chaque jour, ça me dit là, malgré que ce n'est pas chaque jour. Parce que des fois, capable de faire moi, mais je travaille, ça me dit là, mais je dégage quand même. Dans qui sorte qu'on travaille? Dans la construction. Ok. C'est boss ferrailleur. Et dans deux ans, ça, qui sont réussi même? Bon, je réussis parce que je travaille, je fais comme je ne pas gaspiller, je pense à ça, je fais une petite économie dans le pays. Ok. Yeah. Okay. Ou bien quelques projets l'ont fait dans le pays ou pendant 10 ans ça? Oui, tant que je travaille, je fais des économies, je vais dans le pays, je fais un bail, je sais pour moi. Comme je déporte, je pense que les gens viennent dans le pays, je ne vais pas me garder parce que je suis toujours maman, tout le monde. Okay? Alors pendant que l'autre bord, tu es toujours géré, vous voyez comme pour vous? Parce que je pense que quand je connais le pays, je ne vais pas payer, je vais quand même me tourner juste pour ne pas me garder. Et pendant que vous venez, est-ce que vous êtes en communication avec eux pour vous connaître qui est déporté? Je n'ai pas un téléphone parce que le téléphone m'a perdu. Et papa dit nous prend un chef immigration qui prend là même. Et puis okay. Pendant ma sortie, m'a dit pour bon et puis il pas bon. 4 jours de fait dans prison, comment traitement t'es même? Bon mauvais traitement. Mauvais traitement parce que côté yo mettez nous c'est mon côté qui pour dire qui confortable, qui OK, son bail qui senti en pile, OK? Côté yo mettez nous haïtien, paquet haïtien, groupe paquet monde, so li pas normal même côté yo mettez nous. Combien monde t'es valé quitter dans prison avant? Bon pour matin là, bon pour matin, les gens qui viennent ensemble avec moi, ils sont capables de 50 épiques. Ok. Ok. Et capital là, côté pour nous, tu fais 2 jours. Santiago, tu fais 2 jours. 2 jours, Santiago. Et en dedans, comment tu as le traitement, il y a envers l'autre compatriote? Mauvais traitement, parce que il n'y a pas de nous manger en dedans, il n'y a pas. Bon, pas grand même, seulement ils mettent ton côté et ils oublient. Ni toilette, ni pucée. Tout le bagage est un seul côté. C'est pas normal même. C'est pas bail pour les gens. Est-ce que c'est vrai que les gens coulent au point de nous mettre en prison? Oui, il y a beaucoup. Mais qui j'en ai des coups comme ça? Ça parle de pas. Tant que si base pour faire ridicule, tant que vous apprenez, vous parlez ensemble avant et puis vous faire ridicule, il y a beaucoup. Mais vous ne pouvez pas lever mes choses qui font des bails. Mais comme vous connaissez, haïtien, pas de revendication, même si vous battez, même si vous pas battez, parce que nous avons un pays qui a pensé pour nous. Je bats nous et comme si ça va vous dire. Quelles conditions pensez qui t'a de réunir pour être vivre dans le pays ou pour aller l'autre bois encore? Bon, naturellement, si par exemple, premier bagage qui gagne, qui cause des jeunes à déporter, qui cause des jeunes pour aller l'autre pays illégal, parce que pas de travail, ok? Pas de travail. Parce que vous imaginez, vous vous levez matin, vous avez madame, vous avez petite pour travailler, vous avez mangé. Pendant ce temps, pas qu'à jeune travail dans le pays là. Ça cause, vous obligez à chercher la vie de l'autre côté. Et pendant ce temps, vous levez de l'autre côté là. C'est même pareil, ça a toujours dit chercher la vie, détruire la vie. Parce que l'on pense que vous pas le travail pour capable de madame, petite famille. Et puis l'on veut, c'est mauvais traitement jeune. Vous savez, ça me dit là, parce que c'est pas normal même. Et bien d'accord, merci pour la participation. Merci pour toi.